This ain't what you want, but I'm a fucking phenomenon. Hey yo, salut à toutes et à tous les gamers, les gamers, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Maxilar et on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un tout nouveau jeu, Kart Rider Drift. Vous avez vu la cinématique de début et là on attaque le didacticiel. C'est un jeu qui fait agréablement penser à Super Mario Kart et vous allez voir que vraiment le gameplay y correspond pas mal. Allez, on va brancher la manette. Ça va être plus simple qu'au clavier souris. Et oui, ce jeu, en plus d'être gratuit, est multiplateforme, les amis. Ok, donc là, comme dit, nous sommes dans le didacticiel. On va voir comment se déplacer, se mouvoir, comment rouler dans ce jeu Kart Rider Drift, sorti tout début d'année 2023, entièrement gratuit, entièrement multiplateforme, aussi bien solo contre des IA que multijoueur. Vous pouvez jouer sur Xbox, sur Play, sur PC, sur Switch, Nintendo. C'est vraiment pas mal du tout. Allez, on poursuit notre avancée dans ce didacticiel. Et on arrive au point qui va poser la ressemblance clairement avec Mario Kart. C'est les objets. Les caisses d'objets qui vont nous permettre de récupérer des objets à utiliser. Et oui, comme dans Mario Kart, c'est là où la ressemblance va ressortir. Et voilà. On ramasse une caisse, on obtient un objet aléatoire. Là, on a reçu le turbo. Allez, notre premier essai du turbo. C'est parti. Maintenez accéléré, utilisez l'objet. Let's go. Sympa la sensation du turbo, sympa. Le dérapage. Ok, on peut faire du drift dans les virages. Hein, encore une fois, un petit clin d'œil à Mario Kart. Hein, on a le même principe de dérapage contrôlé dans les virages, si je ne m'abuse. Ok, il s'est vraiment guidé jusqu'au bout, le didacticiel. En mode QTE un peu. On vous demande d'appuyer sur les touches un certain moment dans un certain ordre pour vous faire comprendre l'action que vous avez à faire. Et ben c'est sympa. Ok, ben on n'a plus qu'à boucler un tour tout seul comme des grands et on aura terminé le didacticiel. Allez, on ramasse un turbo, on l'active directement. On va essayer de passer en drift ici. Oh, la belle glissade, le beau drift. Et de nouveau un turbo, c'est cool. Ah, c'est pas mal les sensations, hein. La vitesse, même le contrôle du kart. Franchement, je vous le dis, c'est vraiment cool. Il y a des très très bonnes sensations.
Oh, j'ai ramassé les deux en même temps. Les deux caisses. Ça, c'est bon à savoir aussi. Et voilà, du coup, on est au bout de ce didacticiel. On sait comment rouler, comment se déplacer dans Kart Rider Drift. On va pouvoir enfin se lancer pleinement dans ce nouveau jeu. Et je le rappelle encore une fois, l'équipe, il est gratuit, entièrement gratuit et multiplateforme. Le concurrent direct, le nouveau concurrent à Mario Kart. Allez, on arrive dans les menus. On a découvert les courses mode objet. Et on a terminé le didacticiel. Oh là, et on a plein de récompenses pour ce premier lancement. Cette première arrivée dans les menus. Ok, on a tous les personnages du jeu, clairement. On a même des véhicules. C'est sympa. C'est sympa. Petit cadeau de bienvenue. Oh, et on reçoit une Porsche Boxster 718. Ok, plein de récompenses, ouais, ça va défiler un peu, ok. On a des récompenses quotidiennes, c'est cool, c'est bon à savoir. Récompenses suite aux connexions, tous les jours. On a des petits défis. On a pas mal de choses, hein, honnêtement. Allez, on va faire un petit tour au niveau du karting. Ok, on peut changer de carte, on peut améliorer le karting, bah, pas pour l'instant au début, on peut changer la couleur. On va garder ce karting de départ, le kart d'entraînement, on va peut-être changer la couleur, là, on va voir ce que ça donne. Ok, je vais vous accélérer ce passage customisation, ça sera plus agréable pour vous. Et voilà, elle est customisée, on s'est fait une petite livrée, voilà, sympa, petite couleur un peu chantier, blanc et orange, avec une petite étoile. Allez, un petit livret, rapide, efficace, on valide ça, on sauvegarde. Et voilà, tout ça pour ça. Petite décoration, petite récompense de notre premier livret dans le jeu, le petit défi validé, allez, on va encore changer les jantes. Voilà, c'est assorti, hein. Le turbo, on peut mettre du jaune. Le pack néon. En vrai, je peux casser un peu le truc, mettre les jantes, mettre ces jantes-là avec l'intérieur un peu bleuté, mettre le nos bleu. Vous en pensez quoi? Moi, je dis ça peut être pas mal. Non, franchement, je trouve ça pas mal. Allez. Ça fait un peu contraste. On va voir ce qui se passe au niveau des personnages. Bien sûr, du coup, on a la liste au complet. On a reçu en récompense tous les persos. Oh, le Rex. C'est vraiment sympa. Il y a à chaque fois marqué d'origine. Donc, à supposer qu'on a des persos évolués en rare, en légendaire, avec des skins différents. Oh, le Néo d'origine est aussi incroyable. Je pense honnêtement ça va jouer entre le Rex et le Néo qu'on va choisir, mais je pense que ça va être le Néo clairement. On va partir sur le Néo. On a des émotes aussi. C'est sympathique. Ok. Une émote victoire, une émote défaite, où on pleure. C'est logique. Et on a ça. Pour chaque situation, on a la victoire, on a la défaite bien sûr quand on pleure, on a l'arrivée. On est content ou on pleure si on a perdu, on a l'abandon, on peut abandonner aussi, ok. Je pense que c'est si on quitte, on est à forfait dans un championnat ou autre. Ok pour les émotes, ok pour le kart, ok pour le
perso, il y a aussi des emojis. Ok. Bon, ça c'est pas très intéressant. Ah, il y a une deuxième page en fait. Ok. Oh, on va se mettre les cœurs, allez. On va être gentil. On va mettre l'emoji amoureux, allez. Le DAO amoureux. Et voilà, on a tout personnalisé. On va pouvoir retourner au menu. Et se lancer dans notre première course. Oh, on a des choses dans la boîte de réception, on a plein de messages. Ah oui, ok, c'est les récompenses à récupérer, d'accord. Faut aller dans la boîte de réception et valider. Et récupérer, les ouvrir. Ok, d'accord. Ça roule. Ok, encore des nouveaux persos, sympa. Déjà des petits persos en rare et pas en commun, ça fait plaisir. On débloque déjà des petites choses dès le premier lancement. C'est sympa ça. Et du coup on va partir pour notre première course. Du coup ça sera en mode objet contre des IA bien sûr. On vous lance pas directement dans du PVP, hein, ils sont pas fous. Allez. La première course officielle dans Kart Rider Drift sur Maxilla. C'est maintenant. Alors par contre j'ai aucune idée de ce que je ramasse, des pouvoirs et tout. Oh là là, ça par contre, c'était bien joué, j'ai contré l'attaque au bon moment. Mais bien sûr, je me prends une bulle d'eau juste après. Et le turbo qui fait plaisir. Oh là là, et la protection au bon moment, c'est incroyable. Ok, donc le bouclier bleu, c'est clairement une protection. On a une banane. Ah, ça fait vraiment penser à Mario Kart. Ah, et on a mis la banane, excellent. Ok, encore un shield, donc ça c'est clairement la protection. Et clairement la protection, elle marche pas contre les bulles. La soucoupe volante, j'ai réussi à la contrer avec une soucoupe volante bleue, donc de défense, donc ça c'est bon à savoir. Ok, j'ai encore esquivé avec cette protection. C'est insane cette protection, vraiment. Je voudrais bien ramasser l'aimant, voir ce que c'est ça en final, parce que depuis avant je me prends des aimants. Je pense que ça permet les mecs de remonter sur moi en s'attirant à moi. Allez, on se fait enchaîner, quand on est premier, on se fait enchaîner comme dans Mario Kart. Avec les coquilles, c'est le même principe. Franchement la physique est bien, franchement le jeu est cool, même la bande son. Surpris, hein. Je suis surpris par ce... On va pas dire cette copie, cette plagiat, mais ce jeu ressemblant à Mario Kart, tout fraîchement sorti de cette année, et en plus gratuit, multiplateforme. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa ce qu'il propose. Et voilà, on arrive premier, on décroche notre première victoire sur Kart Rider Drift. Franchement, je vous le conseille. Il pèse pas lourd, il n'y a pas besoin de grosses configs, il est gratuit et vous pouvez jouer sur n'importe quelle plateforme avec tous vos amis. C'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Plutôt de devoir acheter une Nintendo pour jouer à Mario Kart ou sinon émuler une Nintendo sur votre PC. Et là, faut quand même un PC assez performant si on veut émuler les dernières Nintendo. Comme les Switch par exemple, ou la Wii 2, ou la Wii U, pardon. Faut quand même de bonnes puissances de PC, faut pas non plus un PC de ouf, mais faut une bonne machine pour émuler ce genre de choses là. Donc pour retrouver un jeu identique à Mario Kart, avec toutes ces capas là, ces perfs là, et ce rendu, c'est vraiment cool. Du coup, on complète notre petit tour dans les menus. Là, je suis dans la sélection de parties. Vous pouvez voir qu'on a plein de modes. On peut faire objet en solo, objet en duo, objet en équipe. Et on a plein de modes au-dessus, contre la montre, grand prix, mode vitesse. Vous voyez, là, c'est de la course pure sans les objets. Et là, on a même un petit tableau des objets. J'ai trouvé ça, guide du mode objet. Là, c'est très sympa parce qu'on sait déjà quoi et quoi.
Objet d'attaque, objet de défense, objet de vitesse. Et voilà, là on va voir l'info sur tous les objets, histoire de partir confiant pour les prochaines courses et de savoir ce qu'on ramasse. La banane, le mur, on a vu, la bombe à eau, on s'était pris plus d'une fois. La bulle à eau, c'est un peu une bombe à eau, mais individuelle, qui va chercher une personne devant. On a le missile, c'est un peu le principe de la coquille rouge dans Mario. L'orage, c'est bien sympa, ça prend tous les ennemis, ça laisse tôt. L'alien, c'est le même principe. L'alien bleu, du coup, c'est ce qui permet de contrer l'alien rouge, l'alien attaque, l'alien défense. On a le shield, qui permet de contrer les bananes, qui permet de contrer les bulles d'eau, qui permet de contrer les murs, qui permet de contrer les missiles. On a les ailes d'ange qui permettent de contrer les orages. Et on a les mains qui permettent de nous rapprocher d'une cible devant nous, en nous attirant. Et bien sûr, le turbo traditionnel, tout le monde le connaît. Et voilà pour la liste de ces objets. Du coup, on va partir tout de suite pour une nouvelle course mode objet, mais ce coup-ci, on n'est pas que contre des mobs, on est contre de vrais pilotes. Allez, c'est parti, recherche de course. Mode objet, PVP contre vrais joueurs. Let's go! Part dans le désert, l'énigme du Sphinx. Oh, sympa la bande son. Allez, départ canon. Ah, j'adore la bande-son. Ok, donc on est en équipe, c'est les bleus contre les rouges. Donc on a aussi bien des alliés dans cette partie. D'autres joueurs qui sont avec nous et d'autres joueurs qui sont contre nous. Donc il faut placer les bananes intelligemment. Par exemple, là, je viens de tuer. Il vient de tuer un de mes collègues avec la banane, là, il a reculé de 4 positions. Faut faire attention à ces choses-là. Et notre objectif, c'est d'harceler les rouges comme lui, qui va se prendre le missile juste devant. Let's go! On prend la première place. Et on la perd aussi vite. C'est bien, c'est des jeux à suspense. C'est des jeux à suspense, rien n'est joué jusqu'au dernier tour. Ah, par contre, voilà, c'est compliqué de tourner avec les mains. Ah ouais, faut anticiper, mettre frein à main. Mais c'est efficace les mains. Du moment que la personne elle va vite devant, ça marche bien. Allez, la petite bombe à eau qui va faire mal après le saut là. Oh, ils ont eu des anges aussi. Mauvais timing. Et allez, nouveau une bombe à eau. Et cette fois-ci elle connecte deux joueurs rouges en moins. Et l'OVNI qui prend le numéro 1 rouge. Et deuxième rouge qui se prend un orage, un de ces enchaînements de notre équipe pour le dernier tour, on est tous devant, incroyable. Oh là là, je me prends un coup de dos, oh là 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 là, le karma. C'est toujours pas gagné, c'est toujours pas gagné. Allez, 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 allez. Yes, un aimant, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Ah merde, par contre quand il passe derrière Clément, vous êtes freiné de ouf. Et moi je me prends la boule d'eau. Non, non. Oh, le noce. Le noce, ça peut permettre la remontada. Le gros glisse. Vas-y, on met. Il s'est tout pris, lui, il s'est pris une bulle d'eau au missile, il repasse devant. Incroyable. Incroyable le move. Incroyable le move. Sur la dernière ligne droite, il s'est tout pris. Il s'est pris un missile, il s'est pris une bulle d'eau, il s'est tout pris le mec devant. Oh là 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 là, et on arrive deuxième du coup, avec notre collègue qui est premier, du coup ça passe, c'est la gagne en équipe sur cette course. Première course en multijoueur, en mode objet, sur Kart Rider Drift, on l'emporte les gars, let's go! Ah, c'est satisfaisant l'équipe, c'est satisfaisant, franchement je vous conseille ce jeu. Kart Rider Drift, c'est gratuit, c'est multiplateforme, allez le télécharger l'équipe, on s'éclate vraiment. Franchement, c'est vraiment fun si vous faites ça en plus avec vos amis. Et du coup, on arrive déjà au bout de ce premier gameplay. Vous étiez avec Maxilla. Ciao. Yeah.
Just got a bag, I'm a poster. I need some space, need O2. And I get the shit that you go through. It's probably my fault if I ghost you. I push away people I'm close with. Once down on a stand, I don't know shit. Yeah, we took a pic and I posted. I remember the blog I was posted. My rep ain't gonna shine like a glow stick.